Bon, nous voici devant Brossette, sanitaire, chauffage, plomberie, TC Concept, technique de canalisation entre industries. Boum! Et là, tu vois quoi? Le GSX-R1000 2012, mon pote. Ok. C'est bon, je l'ai récupéré, je suis plus avec le Ducat asthmatique. Non, je rigole. Merci encore à Seb Desmo Moto de m'avoir filé cette moto. Franchement, tu gères, mec. Continue comme ça. Si t'as des révisions à aller faire chez lui, bah, n'hésitez pas à aller le consulter, lui demander des devis, mon pote, parce que franchement, il assure grave. Donc, bon, bah, la question que tu attends, hein, le moment que tout le monde attend, c'est le bruit de la moto. Voilà. Bon, maintenant, tu vois à peu près la gueule qu'elle a. Hein, donc, comme je t'avais dit juste avant, donc changement de grille de radiateur, S21, donc avant-arrière. Le collecteur Racing Aro, donc qui vient se greffer directement sur le Yoshimura 11. Je peux te dire, mon pote, que ça envoie du lourd. J'ai mis un filtre à RKN, bougie iridium. Voilà, ça m'a fait une belle facture, mais en tout cas, la moto, elle est comme j'aime. Il n'y a plus rien à changer. Hormis peut-être voilà, le flanc de carénage où je t'avais montré, hein, de toute façon, la dernière fois, je pense, mais au cas où je te remonte, hein, donc juste là. Donc un petit peu, bon, bah, il est un petit peu éventré. Mais... Eh oui. J'ai de la chance. Si tu te demandes ce que c'est ça, c'est du scotch thermique parce que le collecteur Aro est un peu plus épais que le collecteur d'origine et on n'avait pas envie que ça chauffe de trop la durite de radiateur. Du coup, on a mis ça pour éviter que ça chauffe de trop. Voilà. Bon, allez, j'arrête avec mes conneries. J'ai le zoom dans le sac à dos. Et je vais te faire écouter du coup le bruit de cette moto. Allez, si tu pars. Prépare-toi, quoi. Hein? Allez, on va arrêter de faire chier cette zone industrielle. Tu vas me niquer la batterie. Et on va se mettre en route. Donc je fais gaffe, hein, je suis en rodage avec les pneus, donc on va pas trop faire les fous. En tout cas, tu peux voir que ça envoie du steak. Évidemment, hein, ça pétarade, hein. Sinon, ce serait pas drôle, mon pote. Ah, j'ai un ralenti chelou parce que du coup, faut que je la fasse régler sur un banc de puissance. Donc ça, ce sera chose faite d'ici quelques... Merci. Ce sera chose faite d'ici quelques mois. Quelques semaines, plutôt. Donc du coup, elle a un ralenti de MotoGP, gros. Mais je kiffe, mon pote. Je kiffe de ouf. Et je te jure, il y a tout le monde qui s'écarte. Est-ce qu'on en parle? Oh frérot, un peu hup. Elle a le démon. Je te jure, elle a le démon, gros. Bonjour. Elle a kiffé, gros. Ah, super. Oh là 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 là, les amis, c'est bon. Je l'ai, monstre bon, je l'ai. Ah, je suis comme un dingue. Ah, c'est juste fabuleux. C'est juste fabuleux. Bon, faut que je la fasse encore régler au banc de puissance, hein. Démon. Ouais, surtout,
bah du coup j'ai gagné quelques chevaux, mais quand je la ferai régler, alors là mon gars ça va être film de boule. Bon elle fait pas encore autant de bruit que celle de Cédric de sa BMW SMR, mais on va dire qu'on s'en rapproche quand même pas mal tu vois. N'hésite pas à mettre un maxi pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter le son de la moto. Tu sais quoi, il faut que tu mettes une note de 1 à 10, ok, sur le son de la moto par rapport à ce que tu as entendu avec le zoom. J'espère vraiment que les séquences t'auront plu et puis n'hésite pas à la partager auprès de tous tes amis histoire que la vidéo soit mieux référencée et faire connaître la chaîne, mon pote. Allez, je te laisse là, je te fais plein de gros bisous, je te souhaite une bonne journée, un bon appétit, une bonne nuit. C'était Ça me suffit pour te servir. Ah ouais gros, MotoGP.